Les ailes des 10. Je vais essayer de repasser dès que possible. Mais pour l'instant, je dois rejoindre le terminal de fabrication pour installer le nouveau piratage sur ma lance. Puis je l'utiliserai sur une aile des lions et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais. Oh, ça va être stylé de ouf. Oh, ça va être stylé de fou, ça par contre. Oh, ça va être incroyable. Le live finit à 17h. On va voir d'un point de vue scénaristique quand est-ce qu'on l'arrête, tu vois, parce que je vais pas démarrer si je vois qu'il y a une grosse quête et qu'il est 16h45, je vais être en mode bon, non, on va peut-être se la garder pour le prochain live ou ce sera sûrement le dernier, tu vois. Des trucs comme ça, on va essayer de faire ça de manière logique. On va voir. Genre, je pense qu'en vrai, j'aimerais bien, là, récupérer le ptérodactyle. Je sais pas si j'ai le temps d'aller faire la quête de Regala ou pas, en fait. Je sais pas. À mon avis, ça doit être une grosse quête. Il me faut une aide des lions maintenant. Oh, attendez déjà, avant je toute chose. Il y a un nid en haut de la montagne. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Bon, il faut que je trouve une aile des lions à pirater. Je devrais grimper la montagne. Ok. Allez, grimpe. Oh, ça va être incroyable. Les moments où on peut chevaucher des trucs comme ça. On grimpe. Mais du coup, prochain live Horizon, je sais pas, semaine pro, je pense, je sais pas. On essaiera de finir semaine pro, je pense qu'on va finir Horizon et Majora. En vrai, je pense. Je descends. Bien. Il y a des ailes des lions là-haut. Je vais devoir les approcher discrètement. Il y a un problème de son. Je sais pas depuis combien de temps. Et avec là un problème de son. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Go! Oh, ça va être beau. Ça, je dis oui, par contre. Pour se déplacer, quel plaisir. Mais oui! Mais oui! C'était évident qu'il fallait le faire, putain. Ça manquait tellement dans le premier. Oh, putain. Maintenez X pour voler vers l'avant. Pour descendre. Oh, je peux remonter. Oh, quel plaisir! Oh, quel plaisir. Oh là, c'est même pas comme une paravoile, là, c'est encore mieux. J'ai décollé. Alors il faut que tu récupères une batterie sur un ancien titan Horus. Mais d'abord, tu dois envoyer une impulsion pour les activer. Je t'ai envoyé le logiciel nécessaire. Pour le déployer, tu vas devoir pirater une des machines de communication que tu appelles Grand Coup. Il y en a un au milieu du désert qui devrait faire l'affaire. Ok. Je m'en charge. Vas-y, on y va. Oh, on y va. Vol jusqu'au grand coup. Vas-y, y'a pas de problème, genre. Y'a aucun problème, même si c'est loin. En fait, c'est tellement rapide. Attends, je voudrais juste. Go, on le voit de là. Oh là là, quel plaisir. Oh, quel plaisir. Oh, et vous me filez ça à l'avant-dernière mission du jeu, genre? T'es sérieux? J'ai envie de mourir. Voilà le grand coup. Je dois me placer sur sa tête. Rond pour ralentir et entrer en vol stationnaire. Ok. R1 pour monter en altitude. Maintenant, comment je fais pour atterrir? Bah, ça va être 10 fois plus simple que la dernière fois. Quel plaisir. Oh, quel plaisir. Oh, quel jeu.
Je change tout ce que j'ai dit, ce jeu passe dans la catégorie du dessus, là. Là, le jeu devient trop bien. Là, le jeu, les gars. Oh, quel plaisir! Oh là 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 là. Bien. Alors, les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en plus, je peux le rappeler quand je veux, l'Eldéo. Le proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit, je veux aider. Hein, pour sélectionner l'appel des Lélions. Oh oui. Oh, reviens. Oh, reviens. Quelle beauté. Voilà. Ok. Let's go. On y va. Je m'en fous, on se TP plus, on vole. C'est fou, un oiseau, la note sur 20 du jeu a pris 15 points. Mais oui! Mais parce que tu passes de j'ai des murs invisibles dans un escalier à sentiment de liberté totale. Bien sûr. Pour un open world, bien sûr que ça change tout. Je me sens libre. Libre, regardez-moi ça. Libre, c'est pas ça. C'est la petite cabriole, là. Hop là. Bien sûr que c'est important. Oh, quel plaisir. En plus, on se rend pas compte, mais les kilomètres, là, on les fait. Hein. On les dévale bien. Puis c'est pas la même chose de faire... 400 mètres tout droit et 400 mètres, tu dois faire gaffe aux routes, aux machins et tout. Oh là 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 là. Alors. On arrive. Voilà la batterie. D'autres ce titan. Comment je descends, moi, de là? Excuse-moi, juste, comment je descends de là? Allô? Bloqué un peu. J'appuie sur toutes les touches, ça va pas descendre. Ah, il faut pas descendre dans la machine. Ah, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ah, ok, ok, ok. Ah, oui, d'accord. Pour ça qu'il voulait pas me lâcher. Ok. Go! Imaginez la même chose dans Breath of the Wild 2. Pouvoir play comme ça, ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Là, c'est tellement mieux que dans Arceus, par exemple. Dans Arceus, c'était cool parce que le concept de voler sur un Pokémon, tu vois, c'était trop bien. Mais dans les faits, c'était plus un planeur, le truc. Hein. Là, c'est... Oh, quel plaisir. Puis c'est beau, quoi. Oh là 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 là. Et encore, je rappelle qu'on n'a fait que l'histoire principale. Le retour des Célestries pourrait être stylé. Enfin, ça n'aurait pas trop de sens scénaristiquement, mais. Mais ça pourrait être stylé. Mais regardez comment on se déplace partout vite, quoi. Wouh! Oh, quel plaisir. Alors. Oh là! Ah, bah, elles sont là, elles arrivent! Salut! Ça va vous faire bizarre. C'est dommage, ils n'ont pas été exploités au max dans Skyward Sword. Célestrier ? Bon, quand même, moi je trouve qu'on en a tiré ce qu'on avait à tirer. Hein. Ouais, du coup, on va faire le truc. Hein. Après, notre phare à voile, moi ça me va très très bien. Hein. Attention. Hein. Notre phare à voile, ça me va très bien. Je demande pas forcément un oiseau. Hein. Et voilà. Est-ce que c'est... C'est Alan. Elle vole sur les ailes du 10. L'espoir revient. À l'attaque.
Et voilà. Sur Zelda, c'est pas dérangeant de pas voler, je trouve. Ce serait un plus, oui, mais c'est pas dérangeant. Non, clairement pas. Surtout qu'il y aura les îles et tout, donc il y aura une notion de relief. Oh, ça va te faire tout drôle. À genoux maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me donner. Elles sont mortes. Les machines, toutes mortes, il en reste pas une. Quoi? Mais comment est-ce possible? Régala! Ah, oh, le style là, par contre. Un petit côté Daenerys là, quand même. Hein. Le sang a assez coulé. On va régler ça, oh. Toi et moi. Oh, le duel. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand oh, le duel. Oh, ça va être chaud, ça. Toi, je pourrais terminer ce massacre. Compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. Bah, descendez dans l'arène, bah oui. Allez, c'est parti. Je peux la viser, je sais plus. Je sais plus si je peux viser. J'avais de quoi faire mes flèches plus puissantes. Les Nora pleurent des larmes de sel au lieu de verser des torrents de sang. Je sais plus si on peut la lock. Quel bordel ici. Non. Les pluies laveront le sol. OK, on l'a touché. C'est bon, cette fois on est dans l'arène. Cette fois on est bon. C'est ici que tout s'achève. Oh oui.
tu l'as dit. Go! Butez-la! Défoncez-la! On la termine! Alors! Non, 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 y'a pas d'arc qui tienne, ma vieille! Oh là là, l'esquive que je viens de lui taper là! Oh, l'esquive que je viens de lui taper! Je peux pas en faire, mince. Ah, elle bloque, elle veut pas que je la touche avec ça. Oh, t'as de la chance. Non. Ah. Limite, ça m'arrange. Limite, ça m'arrange. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça. C'est bon, elle a plus son arme. Allez. C'est bon! C'est fait! Oh, la fin du combat elle était intense, j'étais concentré, j'esquivais, je mettais une flèche, je revenais dessus, tac, tac, tac! La fin du combat était intense. C'est lèche-bot et c'est lâche! Allez-y, finissez-en avec moi! Cesse de caqueter, traîtresse! C'est toi qui as volé sur les ailes d'Edis. Merci Stimo! Merci pour le resub. Tu dois décider de son sort. Je l'ai déjà épargné. Et cela ne nous a pas réussi. Dire que c'était ma meilleure maréchale. Quel gâchis. Elle est clairement dangereuse. Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Bande de lâches! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer? Nous décidons de ton sort. Ah, je peux choisir de la tuer? Oh! Sondage! Sondage! Le sondage est là! Votez! Qu'est-ce qu'on fait d'elle?
Catherine Allier forte. On peut s'en sortir sans aussi. Hein, après, je veux dire. Oh, ça se bat, 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 ça se bat. Attention, ça se bat sur le sondage. On l'utilise, vie, tu auras besoin d'elle, elle mérite la mort, elle peut être utile, ça peut être une alliée, une autre bataille se prépare. Mort. Et bien vu que c'est très serré, on va peut-être faire ce n'est pas facile. Peut-être qu'un ennemi commun vous lira. Ouais. Après à partir du moment où tu peux la tuer, tu la reverras pas dans un 3, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui l'auraient tué, ça n'aurait pas de sens. C'est extrêmement serré, hein. C'est extrêmement serré. Mesdames, messieurs, il y a 2% d'écart. Oh, 50-50, attention. 50-50, il reste moins de la moitié du temps. Votez. Votez en masse. Votez en masse. Votez, la vie, la mort, c'est égalité. C'est égalité, c'est égalité, c'est égalité. Ça va se jouer à un vote ou deux. Se joint à un vote. Votez, ramenez vos potes, vite. 52% la mort, 53% la mort qui prend le large. Et je crois que malheureusement... Je crois... Qu'elle est morte. Après tout ce que tu as fait... Je ne peux pas te laisser vivre. Enfin. Alors, on prend quoi des... Oh, c'est chaud la scène par contre. Voilà. Œil pour œil. C'est terminé alors. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux, dans la salle du trône. RIP. La pauvre. C'est terminé. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Regala. Alors, parle. Non, ce n'est que pour elle. De la part d'un ami commun. Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-nous. Placez-le. On le tue aussi. Il a rien fait, lui. Nous nous retrouverons à la base. Je peux pas en rajouter, mais en débarquant, elle a dit qu'elle verserait plus de sang. Elle a rien versé, là. À mon tour, laisse-moi t'aider. Non. Sans Regala. Je suis démocratique, d'accord. Je suis pour la démocratie. Le peuple a voté. D'accord. Le peuple a voté la mort. Voilà. Je respecte la voix du peuple, la décision. Je me présente aux prochaines élections. Rien à voir. Qu'il t'aide à toujours frapper ta cible. Allez voter pour les élections, c'est important. Votez qui vous voulez, mais votez, c'est important. Merci. Stivo ! Qui a lâché 25 subs ? Merci beaucoup, Stivo ! What the fuck ? Wow ! Ah, il a lâché la... Il a lâché les chevaux là, Stevo, merci beaucoup de ce que tu viens de faire. Oh, coucou copain. Merci énormément, Stevo, c'est incroyable ce que tu viens de faire, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Des GG dans le chat. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non, je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zéniths. Oh, Aloy, tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons. Plus que toi qui te terres dans je ne sais quelle cachette, mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer.
Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterais tes conditions? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. Les monts à l'ouest de Mélopée. Elle lui donne la base. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Ouh. Merci Sofiane, merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup. Tilda, quête principale terminée, les ailes de 10. J'ai réussi. Silence est d'accord. Rendez-vous à ma base. Silence est d'accord, il t'a pas répondu. Hein. Je te rejoins dès que possible. Nouvelle quête principale, singularité. Maintenant que je... Très bien. Préparé au combat à venir, nanana, ok. Compétences. Alors, déjà, on va venir là. Sur la fiche de Sif, ça va être abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous aurez une réduction d'impôt. Évidemment. Votez pour moi. Bien sûr, votez pour moi. Non, ce que je disais avant qu'il lâche son truc, c'est... Vu qu'on est en pleine période électorale, bien sûr, moi, si vous avez l'âge, je vous encourage bien sûr à aller voter. Pour le candidat que vous voulez, bien sûr, mais on n'est pas là pour faire la politique, mais allez voter, c'est important. Parce qu'après, vous aurez des regrets, peut-être, et... Bah, c'est ça qu'on les regrets derrière, donc... Je vous encourage bien sûr à aller voter. Ok. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Des regrets que des remords. Putain, c'est quoi? Bon, bref, vous avez compris. Vaut mieux faire un truc et puis, bah, tant pis, au pire, on aura essayé que rien faire du tout, tu vois. Je sais plus comment dire. Bon, bref. Il faut qu'on aille à notre base. Alors, le truc, c'est qu'il est 45. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, j'ai peur que ça déclenche la fin. J'imagine qu'on est à la fin. Je pense qu'on va se garder ça pour un dernier live où on finira le jeu. Parce que là, on va pas se mytho. On va pas se mytho que là, on est à la fin. Non, je suppose. Voilà. C'est pas loin de la fin, oui. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, tranquillou. Hello, ma bête, là. Je peux pirater les ailes des lions. Viens là. Grâce à Beta. Oh, bébé. What the fuck. Je vais pouvoir m'envoler maintenant. Grimpe. Je vais grimper. Tu peux venir, genre? Voilà. C'est un peu particulier comme ça fait, mais... Hop là! Allez! Let's go! Oh, cette beauté. Regardez ça. Tellement stylé. Ouais, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. D'ailleurs, attendez, je dis ça, mais il me faudrait peut-être un point de sauvegarde, en fait, non? Attendez. Petit point de sauvegarde, là-haut. Atterri. Voilà. C'est vraiment, on va pouvoir save. Oui, à chaque fois, faudrait que un jour, faudrait que je la fasse, la présentation. Nice. Éteindre la PS5, nice. Hop là, voilà. Bah, on aura grave bien avancé aujourd'hui, je suis content. Pourquoi il n'y a plus le chat? The fuck? What? Le chat qui apparaît que maintenant... Toutes les anciens messages ont... Oh, je sais pas, trop bizarre. Spammé, là, qu'on voit du chat. Non, c'était cool. En vrai, c'était cool, on a bien avancé, là, je suis content. Pour le coup, on a eu la... Là, franchement, je pense que depuis le début, c'est mon live préféré sur le jeu. Déjà, je me suis pas endormi, c'est important. Il y a eu beaucoup d'actions, des gros boss. Il y a eu des zones un peu... Je n'aimais pas trop, mais ça s'est rattrapé avec le ptérodactyle. Avec là, le duel à la fin, on a bien avancé dans l'histoire. On a vu la zone de plage. Il y a eu que des trucs trop cool. En vrai, là, il y a eu que des trucs trop cool. Donc, c'est bien, je suis content. En vrai, assez stylé. C'était assez stylé, assez stylé. On a une chance de te revoir sur Ark s'il sort un nouveau jeu. Bah, il y a un Ark 2 qui est prévu, si je ne dis pas de conneries.
Je pense que peut-être, hypothétiquement, on le testera. On verra. J'avais vu avec prof pour peut-être le faire et tout, mais bon, après, voilà, c'était il y a 2 ans, non, 1 an, je sais plus. Voilà. Du coup, Breath of the Wild 2, ça rend confiant pour 2022 ou pas? Moi, des infos que j'ai, oui. Oui. Arc 2 avec Vin Diesel, c'est vrai, on s'en rappelle de ça. Arc 2 avec Vin Diesel, bien sûr. Quel terrible move. Je ne sais pas. Il est là, Stevo, là, qui a lâché 25 subs, what the fuck? Il est fou. J'ai plus l'habitude, là. Oh. Faudrait que je fasse l'arène pour gagner des médailles et pour acheter des armes et des armures légendaires. Après, là, on est en facile, hein, tu vois, donc... ça va, quoi, on le voit, c'est tranquille. On n'est pas dans une logique de compléter le truc à fond et tout, donc... ouais. Les vidéos avec prof de maths sur le premier arc, c'était incroyable, c'était incroyable. C'était trop drôle. C'était trop drôle. Ouais, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. C'était vraiment bien. Mais non, on va voir. Les acteurs jouent de plus en plus dans les jeux. Bah oui, bah bien sûr, avec la reconnaissance faciale et tout, maintenant c'est possible. Hein. Carrément. Prochain live, là, ce sera du coup... mardi, je pense. Je pense que ce sera mardi. Je vous dis un peu ce que j'ai noté, là, d'accord? Bon, il n'y a rien de... Putain. Il n'y a rien de sûr encore, d'accord? Il faut que je fasse le planning final. Mais... globalement, d'accord, bon, je vous montre viteuf, d'accord, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Il va bouger, hein. Prenez pas ça comme le planning de la semaine pro, d'accord. Mais en gros, pour l'instant, de ce que je me suis fait un petit planning, je me suis fait ça, quoi, globalement. Globalement, pour l'instant, alors effectivement, il n'y a pas Horizon. Bon, on verra. Peut-être que je le carré. Mais j'avais prévu du coup de peut-être mardi finir Majora. Finir ou bien avancer. Ouais, non, on pourra pas finir Majora en fait. Je vous dis n'importe quoi. Bon, avancer Majora. Mais ce sera peut-être Horizon du coup. Je vais voir. Je vais peut-être inverser et finir Horizon. Et puis, vu que Majora, de toute façon, c'est un jeu qui a 20 ans. Bon, au pire, on le finira la semaine d'après. Donc, ça, voilà. Ça, je pense, ça va bouger. Ce sera peut-être Horizon. Mercredi, on découvre Tunique. Je pense. Jeudi, Star Wars UHC. Soir, normalement. Ça bouge pas. Vendredi, on découvrira Mario Kart, le DLC l'après-midi, et le soir, on a le Sky Dash. Le samedi, on fera un Mario Kart DLC. Le dimanche, comme d'hab, au repos, bien sûr. Voilà, voilà globalement. Après, voilà, il y a des choses, je ne sais pas encore. Peut-être que Tunique, en fait, on va le continuer au-delà d'un live découverte. J'en sais rien. Mario Kart DLC, j'ai mis 2 lives, mais en fait, ça se trouve, il n'y en aura qu'un, et le samedi, il y aura autre chose. Il y aura peut-être Horizon ou Majora, j'en sais rien. Bon, bref. Voilà, parce que au début j'étais en mode ouais, Mario Kart va y avoir plein de trucs, et après j'étais en mode bah en fait Mario Kart il y a 4 courses donc en fait ça va être rapide. En fait, donc en fait 2 lives sera peut-être trop, donc peut-être que ça va bouger et que ce sera voilà. Là pour le coup, c'est des trucs prévus comme ça, je les ai écrits en 2 spi et puis ensuite je les ai envoyés au graphiste et tout une fois que je me serais mis d'accord. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien de sûr. Je pense qu'effectivement, je pense que le deuxième Mario Kart va bouger peut-être pour du Horizon ou inverser Horizon et Majora, un truc du genre. Voilà, on va voir. On va voir. Je sais pas exactement encore comment je vais faire ça. Mais voilà. Donc ça va être semaine assez sympathique, je pense. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais Tunique, j'ai grande hâte. Tunique, j'ai grande hâte. Subnautica Below Zero, tu vas continuer ou pas? Non. Non, non, non. Subnautica Below Zero, non. Non, 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 non. Je viens d'arriver, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Mais on est à... Alors, attendez, je vais regarder. J'ai peur de me faire spoil. Si je tape... Attendez. J'aime pas taper ça, mais... Solution Horizon Forbidden West. Ok. J'aimerais un truc qui me dise le nom des quêtes. C'est nanananana. Nous, on vient de faire les ailes de machin. En fait, je veux pas regarder... Je veux pas me spoil le scénar, je veux juste voir... Sur JVC, généralement, ils trient par nom de quête, ce genre de truc. Ah, bah, on est à la dernière. Ok. S'il nous reste... Ah, ouais, bah alors... Ok, il nous reste une... Putain, attends, en fait, il nous reste une demi-heure. Bon, si c'est le cas, derrière, on partira en live blabla, ou alors on partira sur... Bah, alors, dans ce cas, je pense que ce qui risque de se passer, je vous le dis, je pense que ce qu'on va faire, probablement, je vous donne mon avis, c'est... Je vous redonnerai le planning, mais... Je pense que Majora, ça va pas bouger, ça va rester là. D'accord? Comme ça, Majora,
on va essayer de faire toute la zone Ikana. Bon. Mercredi, Tunique, on découvre. Jeudi, Star Wars UHC. L'après-midi, je pourrais peut-être liver, mais c'est pas sûr. Parce qu'en gros, je vais peut-être chez Nintendo jeudi, je sais pas de quelle heure à quelle heure. Bon, voilà. Vendredi, bon, c'est full. Et samedi, à la place du Mario Kart DLC, je pense qu'on terminera Horizon. Et dans la foulée, soit on termine Majora, si jamais genre on a fait la vallée Ikana et puis il nous restera que la lune. Donc comme ça, on se fait un samedi, on se fait une fin de jeu. Soit genre j'ai surkiffé Tunique par exemple et vous aussi, et on se refait un peu de Tunique. Ou... Je vais voir. Mais je pense qu'il y a moyen de combiner fin de Horizon et fin de Majora le même jour. Comme ça, c'est fait. Peut-être. Quitte à focus Tunique après, semaine d'après, vu que c'est pas un énorme jeu, machin. En attendant Kirby qui arrive le vendredi d'encore après, ça voudrait dire qu'on aurait le mardi, mercredi, jeudi pour faire Tunique. Tranquillement, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on fera un truc du genre. FK, non, je peux du tout quand c'est. FK, je ne sais pas du tout quand c'est. On verra bien. Bref, voilà. La première vague de DLC compte 8 courses. Ah merde, 8. Ouais, mais même 8 courses, tu vois, en 2-3 heures de live, on va les sécher, hein. Je pense, hein. Donc ouais, ok. Bref, voilà, vous savez un peu globalement ce qu'il en est. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie cet après-midi. Ça fait toujours plaisir, voilà, évidemment. Évidemment. Ça soutient un petit peu la chaîne. Tais-toi. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 jours, du coup. Passez un bon week-end. Vous savez, moi, je suis un peu off dimanche, lundi. Et puis c'est good. Des bisous tout le monde, à bientôt, ciao, bon week-end à vous.